Jeudi soir, il y avait 600 militaires français. Hier soir, il y en avait 1000. Ce soir, il y en aura 1600. Et ce sera l'effectif qui demeurera autant que nécessaire pour cette mission. Dans un délai, je crois, court, nous pourrons faire cesser toutes les exactions et les massacres. Selon mes informations, il y en a peu aujourd'hui, alors que sur la seule journée de jeudi, les chiffres étaient effrayants. Immédiatement à l'issue de cette conférence de presse, nous nous réunirons de nouveau pour un sommet consacré à la République centrafricaine, dont le Premier ministre est présent parmi nous. Dans ce pays, le chaos et la souffrance représentent un test véritable pour la communauté internationale. Il est urgent de prévenir toute détérioration supplémentaire et de mettre en œuvre la résolution adoptée par le Conseil de sécurité il y a 2 jours.